On appelle les jeunes à se mobiliser aujourd'hui, à manifester tout simplement contre le nouveau projet d'affectation des jeunes à l'entrée de l'université qui instaure une sélection et qui donc va trier les bacheliers selon leur lycée d'origine, leurs notes, des attendus définis par établissement et qui donc risque de fermer la porte à des centaines de bacheliers à l'année prochaine. Puis il y a des jeunes de plus en plus nombreux qui arrivent à l'université et pourtant les moyens, eux, n'ont pas augmenté. Et donc évidemment, on arrive avec des universités qui n'ont pas assez de place pour accueillir tout le monde. Donc nous, on veut qu'il y ait un investissement massif pour pouvoir permettre à chaque jeune de pouvoir continuer ses études et dans de bonnes conditions. En fait, ma moyenne, je pense qu'elle ne va pas me permettre avec Parcoursup de rentrer à l'université. Mais je suis passionnée par ce que je veux faire et c'est pour ça que je veux passer ce concours pour détourner un peu Parcoursup. C'est ça qui me fait peur avec Parcoursup. En fait, on va juste me juger sur une note et je trouve que c'est inadmissible. Enfin. Un même bras à l'éducation. Fac ouverte aux enfants d'ouvriers. En fait, on est en train de revenir sur un droit qui avait été conquis en 1968, tout simplement, c'est-à-dire le droit de tout bachelier à accéder à la filière de son choix à l'université. C'est pas dit clairement par le gouvernement, mais en fait, il y a plein de systèmes qui permettent à des universités en fait, de refuser tout simplement des bacheliers. Donc en fait, c'est le droit à l'éducation qui est reconnu dans la Constitution et qu'on détruit, en fait, tout simplement. J'estime que cette sélection est en fait une sélection sociale, que les lycées de banlieue vont être totalement défavorisés par rapport à cette sélection, que les personnes qui ont des moins bons dossiers scolaires seront défavorisées aussi. Donc moi je suis contre cette réforme. Derrière cette sélection, il y a, est-ce qu'on a très très bien compris les jeunes qui manifestent ici, il y a tout un projet de société dont nous ne voulons pas. Ils l'ont très bien compris et ils ont compris qu'on allait encore plus loin dans ce qui va se passer dans l'ultralibéralisme à la Macron. Et moi, je suis assez content de ça. Et c'est pour ça qu'on vient les soutenir, bien entendu. Quoi. Un étudiant qui doit travailler, il n'aura pas forcément les moyens de se dégager du temps pour valider toutes ces unités d'enseignement, puisqu'on ne peut plus les compenser entre elles. Et puis même, le fait que justement, il n'y a plus de compensation et qu'il faille s'inscrire dans les unités individuelles, bah après, ça va être un prétexte pour le gouvernement pour dire « Eh bah, vu que la filière est surchargée, on va augmenter les frais d'inscription. » C'est toujours les mêmes personnes qui vont avoir, qui vont avoir accès à l'université, aux études supérieures, et ça dénature complètement le principe même de l'université, qui est un service public qui est censé être universel, c'est même dans son nom.